ministre de l'Intérieur s'est ensuite adressé aux 600 commissaires de police réunis aujourd'hui à Paris. Entre le laxisme et l'État policier, a-t-il dit, il y a l'État républicain. Et pour illustrer son propos, Charles Pasqua leur a offert une petite carte que tous les policiers devront désormais avoir sur eux, un code de déontologie de la police nationale. Christophe Tortora. Charles Pasqua entend rendre à la hiérarchie policière ses prérogatives et ses responsabilités. Il l'a annoncé aux 600 commissaires réunis pour la première fois à la Défense. Les prérogatives aujourd'hui, c'est d'avoir su avant la base que dorénavant, tout policier devra porter sur lui un extrait du code de déontologie, code créé en 1986 par Pierre Joxe. Mais avis aux fonctionnaires qui ne le respecteraient pas, les sanctions seront lourdes, parole de Charles Pasqua. La police doit en effet être exemplaire. Elle ne peut exiger des autres l'application de la loi que si elle est elle-même exempte de tout reproche. Entre le laxisme et l'État policier, il y a tout simplement l'État républicain. C'est sur cette ligne, me semble-t-il, que ce consensus doit être recherché. Pour permettre aux policiers d'effectuer des contrôles d'identité préventifs, le ministre de l'Intérieur a confirmé son intention de faire modifier la loi. Un autre texte sur l'immigration sera présenté au Parlement dans les toutes prochaines semaines.